Voilà, chers amis, nous sommes ici à Fourni, comme vous pouvez voir derrière moi là. Je suis ici dans notre une de nos subdivisions où il y a de nouvelles maisons qui sont en construction. Vous pouvez voir vous-même derrière moi, voir partout là-bas, on est en train de construire. Et là, je vais vous présenter cette maison qui est déjà prête à être habité. Donc, regardez, une très grande maison, une maison de 5 chambres que nous vous présentons à un bon prix, à 575 000 dollars. Vous voyez, là c'est la devanture. Regardez là-bas, c'est plein de nouvelles maisons ici, sold. Ça c'est nous sommes en train de, nous avons acheté ça pour que vous puissiez avoir une place ici. Voilà, une très 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 grande maison. Vous voyez, partout c'est encore nouveau. Il y a plein de gens qui vont entrer ici d'ici 2 mois. Il n'y aura plus de place. Vous avez 2 car garage, c'est-à-dire 2 places ou 2 véhicules, comme le véhicule que vous voyez là. Les 2 véhicules ici vont entrer ici. Et puis dehors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez mettre 6 véhicules sur le parking et 2 à l'intérieur, ça fait 8. C'est impressionnant. Vous avez le petit véranda qui est là. Là, c'est l'entrée. Nous venons d'entrer et nous avons cette partie qui est dédiée à une salle à manger. Voilà, la salle à manger, c'est trop, trop grand. Juste derrière moi, soit ici, vous avez le bureau ou office. C'est trop, trop grand avec 2 fenêtres. Vous pouvez voir là. Je vais vraiment peut-être bouger, venir ici. Nous arrivons ici, c'est les salons. Regardez, c'est très, 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 très grand. Comme vous voyez là, un salon ouvert. Hein, jusqu'au-dessus, c'est ouvert, donc open ceiling, donc vous voyez, donc le dessus est ouvert, donc vous avez beaucoup de lumière à l'intérieur. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fenêtres au-dessus, vous avez des fenêtres en bas, vous avez des fenêtres là-bas, et vous avez une double porte ici, comme vous pouvez voir, là. C'est, nous sommes dans la partie de breakfast ou petit déjeuner. Vous pouvez prendre ça ici. C'est un salon. Il y aura la table avec des chaises là-bas. Et voilà la cuisine. Une cuisine très ouverte avec, vous voyez, l'espace jusqu'au-dessus. Hein, regardez, beaucoup de places où vous pouvez placer vos choses. Hein, partout ici, le cabinet ici. Partout, regardez, ça c'est le pantry ou l'endroit où on garde la nourriture, c'est ici. Et voilà, je vais entrer dans la première, dans la chambre à coucher des parents. Regardez combien c'est grand, regardez-moi ça, c'est trop grand, hein. Vous voyez au-dessus, c'est bien décoré. Et surtout quand vous allez entrer ici, vous-même, vous allez faire tout ce qu'il faut. Regardez, la lumière, c'est impressionnant. Vous avez 2 places pour se laver le visage. Hein? Vous voyez, c'est très beau. Regardez. Donc, ici, l'eau ne part pas. L'eau ne se coupe pas. Vous avez une douche debout et
comment on appelle ça? La baignoire. Hein? Voilà, ça est là. Et ici, c'est là où on met les habits des parents. Vous pouvez voir. C'est vraiment beau. Et vous avez la toilette qui est là. La toilette ici. Il y a toujours la lumière. Avec les moteurs qui aspirent les odeurs. Voilà. On a fini ici. Je vais vous montrer. Ici, c'est le couloir. En bas, vous avez une toilette pour les visiteurs. Ici, c'est très, très beau. Vous avez ici une salle. Une salle qui est dédiée aux parents. Ils peuvent avoir l'air. On appelle ça media. Media, c'est l'endroit où vous pouvez mettre une télévision. Ici, si vous ne voulez pas être au salon, avec des belles chaises ici, vous vous asseyez, vous regardez calmement ici. Regardez ces doubles portes. Hein. Voilà, double porte. Ici, c'est là où on met les machines à laver et à sécher. Vous voyez, tout est là. Et vous pouvez mettre vos manteaux là-bas. Il y a un petit closet ici. Et ça, c'est le garage là où je vous ai dit que deux véhicules peuvent entrer. Vous voyez le chauffage d'eau au fond là-bas. C'est très beau. Tout est neuf. Vous serez le premier à habiter cette maison. Voilà. Vous serez le premier à habiter ici. Quelle belle opération. Avec le prix que je vous dis là, c'est vraiment comme si vous avez l'opportunité, vous avez l'opportunité de prendre cette maison. Vous qui gardez la maison, vous gardez l'argent au Congo, regardez. Ça, c'est les escaliers pour arriver au-dessus. Les enfants que vous avez, ils rêvent d'avoir une maison comme ça. Regardez. Ça, c'est comment on appelle les living area. Ça, c'est le salon des enfants au-dessus. Hein, c'est un peu élevé pour que les enfants ne sautent pas. Vous voyez, quand je suis ici, je peux voir en bas. Vous voyez? Ouf! Ça sont des maisons de rêve, vraiment. C'est beau, c'est spacieux. Hein? Alors là, on commence. Vous avez la première douche, très, très magnifique ici. Hein? La douche qui est là. Vous avez en face la première chambre avec la closette, là où on met les habits et les souliers pour les enfants. Voilà, ça c'est la rique. Pour aller au-dessus. Vous avez une deuxième chambre qui est là, avec la closette aussi. Là, on met les habits et les souliers. On continue dans la couloir, dans les couloirs. Vous avez cette deuxième douche qui est là. Voilà. Et puis, cette chambre-là, qui est au fond, qui donne la façade sur la route. Vous voyez? Voilà ce que nous voulions que vous puissiez voir. Ça, c'est la closette. Mes chers amis, c'est à 575 000 $. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours contacter le Congo est à nous à travers nos services commerciaux. Vous avez madame, nous collaborons avec madame. Oh là là, attendez, je vais éteindre parce qu'on doit sortir. Madame Francine qui travaille avec nous.